Workshop. Il y a encore un peu de sable, je suis désolé. 37, 117. Ça va ? Ouais. Je mets la barre. Mais le mieux, vous allez vous faire engueuler. Vous remarquerez que je ne vais pas engueuler. Non, 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 je l'ai levé. 4,73. Merci pour toi. Allez, bonne journée. Hugo, bonjour. Non, c'est mon frère. Débarni. Comme ça, je laisse quelqu'un d'autre gagner. Qu'est-ce que t'es sympa, Paolo. Tu vas le faire un peu. Mes couilles, je vais tout jeter. Là, elle est énervée. Superbe temps dans le Nord. Hein. Nickel le temps dans le Nord. C'était chaud un peu, non? 108, il a marqué. 108,4, là, il l'a mis là. Là, record du monde pour une KO. Elle n'est jamais passée aussi basse. Bon, elle a fallu la faire chauffer. Je suis rentré à Radio Paddock. Regarde Radio Paddock. Waouh! J'ai mis plusieurs d'œufs. Pourquoi, Thomas? Le casque, il a un peu shooté parce que je reste pas tout le temps sur mes roues. Mais. Visière neuve. Macho le Paolo. Allez. Hop là. Merci. Allez, c'est bon. Surtout pas perdre. Plus comment? Ah bah là, demain, hein. Pas de ticket. Pas de course. Ça reste à la maison. Il n'y a pas de chocolat. Non, donc, pas de course. On râle plus tôt donc. J'aurais préféré les chocolats. Ah voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Donc du coup je vous retrouve avec Paolo Machio, je vais le suivre tout le week-end, lui et notre ami Joe Nuc aussi, qui sont des tops en junior. Paolo, ta plus grosse capacité cette année, c'est le all-shot hein, quand même. Le all-shot et les conneries, je pense. Les conneries, ouais, mais ça... Mais avec Joe, ça c'est Joe qui pousse à faire les conneries. C'est pour ça que je pense que ça va être pas mal. On va essayer de faire une vidéo en fait où je vais suivre les deux animaux tout le week-end pour essayer de vous montrer un peu leur week-end ici au Touquet. Et puis voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire, Paolo? Et ben, on va essayer de faire un beau week-end pour la dernière et après ça sera retour sur la terre. Ouais. Et voilà, le sable ce sera l'année prochaine, retour en septembre. Mm-hmm. Et voilà, un beau week-end pour la dernière, en plus on est au Touquet, course mythique. C'est ça. Ça va être sympa. Et puis en plus, tu nous as fait quand même une super belle saison. T'as pas fait que des all shots. Hein. J'ai été mauvaise langue, mais t'as fait des podiums aussi, donc bon. Ouais, j'ai réussi à faire deux podiums pour la première année, c'est vraiment cool. Donc ça devait être une année découverte à la base, on partait pour pourquoi pas des top 10. Ouais. Après Majest, je me suis dit, oh, bah, le top 5 il est atteignable finalement. Pourquoi pas un podium? Et après le podium, bon, la victoire c'est pas possible, donc j'ai pas visé mieux pour l'instant. Mais bon, deux podiums à Osgore et Graillant, donc vraiment c'est top pour une première année. Ouais. Bah c'est ça, moi je te souhaite en tout cas de faire la même chose pour ce week-end. Et puis on va essayer de vous montrer beaucoup de choses de son week-end, à lui et à Joey. Et puis voilà, faire quelque chose de sympa pour tous ceux qui ont envie de suivre un peu ces juniors qui vont venir se battre aussi dans le sable comme les adultes. Exact. Voilà, merci Paolo, à plus tard. C'est parti.
Ouais, moi je suis à la moto. T'as rien compris? Non, j'ai rien compris. Allez, allez, allez. Si on parle de performance, la prépa physique, elle est là pour t'apporter à
pour pousser tes limites, pour devenir encore plus performant. Donc du coup, concrètement, on ne fait pas les mêmes choses dans les deux cas. C'est le truc, c'est le truc qu'il fallait pas dire, je me suis pas engueulé. Ah, c'est toi, t'es quand même. C'est de la merde. Et toi, tu manges quoi, des amandes. Et vous faites quoi au quotidien, alors? Et j'aurai un certain niveau de performance. Ah, mais ça vous fait peut-être rire, mais après, je sais pas. Je vous dis, je suis pas là pour vous juger, et je connais pas vos ambitions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, si vous ne challengez pas et vous ne faites pas mal, quand je dis mal, c'est juste peut-être justement faire des choses inconfortables et donc on n'est pas forcément dans le kiff, mais parce que justement, dans l'inconfort, on va aller chercher un truc en plus pour progresser sur différents aspects, que ce soit technique, physique ou mentaux. Et comme après, du coup, on sera plus performant pour aller chercher ce que vous allez chercher, mais on arrêtera parce qu'en fait, on kiffe pas être moyen bon. Mais aussi, quand tu commences à subir physiquement sur la moto, après tu prends plus de plaisir du tout non plus aussi. Et du coup, c'est pour ça que théoriquement, on s'entraîne physiquement pour pas subir la moto. Parce que le but, c'est que justement, la moto, c'est vous qui la contrôliez et c'est pas la moto qui vous contrôle. Ça, c'est la première des choses. Et un truc qui est bien dans votre discipline, de MotoGP, sa moto de compétition, globalement, il n'en a que le week-end de compétition. Pendant les essais privés. Le reste du temps, il doit essayer de combiner avec d'autres moyens, des supermotes, des plus petites motos ou autres, pour pouvoir s'entraîner. Ça veut dire qu'avant les week-ends de course, les tests ouverts, la semaine, ils ne roulent pas avec la moto. Je ne peux pas rouler avec la moto GP. En tout cas, ça, c'est sûr. Toi, en cross, tu vas passer combien de trains de pneus sur une fois? Dans ton train de pneus, il va te faire quoi? 0,2. Il ne te fait même pas un, il ne te fait pas. Tu fais le mois, peut-être 2-3 mois selon ce que tu vas faire comme entraînement, pour le type de piste. Donc du coup, ça ne fait pas le même budget. La difficulté, c'est que le vélo, c'est un sport porté, et la course à pied, ben, tu subis ton poids, entre guillemets. C'est très simple. Donc du coup, ce que tu vas faire sur 1 heure ou 1 heure et demie de course à pied, il va te falloir presque 3 heures de vélo pour le... Merci Radio Paddock. Ouais, de rien, ça me fait tellement plaisir. Ça m'a foncé. Regarde. Donne-moi. Ça, c'est des gommes. C'est pas cher. Habillé le pilote. Vas-y. Il te le faut ça ou pas? Oui. C'est pour ça, c'est pour placer sur la grille. Oui. Papier, triangle. Ça va ou quoi? Là il y a une équipe ingénieure. Ouais. Là il y a déjà du level. C'est pas triste. Ah, il faut être trop content. Hein. T'as dit quoi? Faut être heureux. Faut être heureux dans la vie. Ton père il m'a dit que t'étais pas un stressé de toute façon. Non, regarde, ils sont tous là-bas et je vais même pas vivre. Vaut mieux être dernier là-bas et premier sur la piste. Oui, d'accord. Ouais, bon, ça arrive pas souvent. Ça arrive, mais une minute au départ, c'est tout. C'est ça. C'est déjà pas mal, il y en a plein qui signeraient juste pour être la première minute au départ. Hein. Ah, ouais. Dédicace à Elohan. Qui court après le one shot des films d'évidence. Bon, tu te sens bien ce matin? Ouais, ça va. C'était un peu
compliqué de dormir cette nuit avec toute la fête qu'il y avait là. Ouais. Mais ça va. Pas trop mal dormi. Ok. Impeccable. En pleine forme le mec. Et ouais. C'est parti. Chien ne fait jamais pipi dans sa niche. Elle a des consignes, mais moi je les confirme, ton père est encore bourré en fait. Non mais il est pas hein? encore bourré, il a juste pas fini de décuver je pense. Ouais c'est ça. Elle a des consignes, mais moi j'ai des infos. T'as les infos de quoi? Vas-y je t'écoute. Il y a Radio Badoc qui filme, on peut pas. sinon ça va pas te plaire. Salut Mathieu, ça va bien? Ça va et toi? Ça va pas te plaire sinon. C'est pour deux tirs, toi t'as pas de consignes, non. Selon les gens du sud, c'est rare qu'ils ont chaud quand ils arrivent dans le nord. Mais chez nous il fait encore plus froid. Qu'est-ce que tu mets sur tes mains? Non, c'est famille Chapu ça. C'est pas Chapu. Ça fonctionne grâce à la maman, je pense qu'il marche. J'en ai un. Bah donne-le moi. C'est vous qui l'avez le couteau. Après, un petit pot de sel, la vinaigrette. Et un bon couteau. On est parti. Ouais, bah, pas de budget pour les trucs autocollants. Hein. Voilà. Il y a tous ceux qui disent que c'est pas beau le dossard comme ça. Eh ben, je suis d'accord. Allez, on y va. Paul Brunet. Waouh. Fais coucou là. C'est Paul Brunet. Je fais l'américain avec les AirPods. Salut. En forme. Ça va. Notre polo. Est-ce qu'il y a un top 1 aujourd'hui? Il est chaud. C'est à côté de toi au départ. Le problème c'est que beaucoup de monde veut se mettre à côté de moi. Paolo, surtout dans le parc, tu fais très attention, c'est du bitume au sol. Et donc pas de coup de gaz à ton testicule, hein, sinon tu vas faire une virgule et tu as fait la gueule devant tout le monde. Et surtout, faites un levier. Un levier qu'on n'a peut-être pas d'avance. Et à votre place, le premier qui bouge, il est ressorti. C'est interdit. C'est interdit. En plus, c'est pas là, monsieur, c'est là-bas. Non, c'est interdit. Vous avez entendu, vous restez à côté de votre auto, vous la mettez pas au parc fermé. En haut, vous n'avancez pas. Le parc fermé, le parc fermé. Bonjour Joey. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Il nous fait une jute fondée. La chaise. Left and right and left. So this is a new part of the track. On va vous la piste s'était totalement. Hey les gars, quand on va descendre, le 4x4 s'en va à gauche. Donc c'est de ce côté-là qu'on s'en va. D'accord? Surtout n'allez pas à droite. Hein. Ouais. Okay. N'allez pas là-bas. Quoi. Toi tu vas le laisser passer là-devant, il est premier, d'accord? Ok. Soyez cool. Hors du championnat les gars. Hein.
pas. En bas là avec un mec qui m'a, il y avait trop de monde et j'ai tapé dedans et direct j'ai débrayé et j'avais calé le repose pied et tout là, la ligne droite là j'étais comme ça, pas un mal de main, pas un mal de bras, le départ c'est parti bien direct, ouais. Putain c'est bon. Puis hein. Bon, maman, elle est contente? Oui, très contente. Je suis contente parce que c'est vraiment familial et on a été toujours là pour lui. Et il nous le rend bien. Et ça paye. Ça paye. Ça paye. Le jour, le billet d'escargot. On enlève le billet d'escargot. Voilà, là, il y a toute la famille qui envoie là. Tonton Pascal, tonton David. Et les motos, 30 minutes. C'est bon, c'est la guerre. Bonjour. Bravo mec. Félicitations. Bon les gars, vous nous gardez la moto. Merci. La rose, on la passe. Là, on passe des coups. Je regarde. Bah, je suis défoncé. C'est qu'elle est là. Maintenant, je sais pas qu'elle est une seule fois. Je tombe deux fois, j'ai débrouillé à chaque fois. Ah ouais. Je suis pas tombé. Elle est là, il veut pas la mettre en barre. Deuxième position, on y va avec Joey. Ouais. Joey Luc qui va se présenter. Et le vainqueur, alors, encore une fois, je l'ai dit à de multiples reprises, qui a vraiment survolé l'épreuve, mesdames et messieurs, Adrien Petit tout de suite, sur scène. Ils étaient 170 concurrents au départ. Rappelez-vous quand même, ça va rester dans l'histoire et dans les annales. Un seul pilote a réussi à terminer dans le tour du vainqueur, c'est Joey. Vous l'avez compris, même le troisième qui n'a pas démérité a dû voir passer le leader devant lui. C'est absolument. Merci en tout cas pour cette deuxième position. Maintenant tout de suite pour Joey, la deuxième qui récompense la deuxième marche du podium, et en l'occurrence surtout le pilote qui l'occupe. Joey Luc, merci. Et bien évidemment, c'est monsieur le maire himself qui va... On attendait une opposition du vainqueur de la saison dernière. Mesdames et messieurs, encore une fois, cela devrait être validé, mais on est quasiment certain de ce résultat. Un petit mot ajouté, Daniel. Les fleurs pour maman.
Bonjour. Ah, je dois aller faire les interviews là, je suis surbooké. T'as pas le temps, allez, vas-y, file. Massacré. Je l'ai massacré. Bon, Brand, du coup, un tour, moi. Oui, toi, t'as pris un tour. Parce que t'avais tout donné sur un tour aussi. Ouais. On peut pas tout faire. Je vais faire derrière Adrien pour mes tours. Là. Ouais. Et encore non, parce que je me suis loupé dans les vagues. Ouais. Tu vas l'avoir. Voilà. Tu l'as ou pas? Eh oui. Vas-y, chope-le. Voilà.